à tous les cafardinos, les 80 000 abonnés, c'est l'objectif principal, ceux qui ne le sont pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous à fond pour un maximum de vidéos, il y a du très très lourd qui arrive. Aujourd'hui, c'est la vidéo récapitulative des playoffs, tout simplement, de cette DreamHack Malmo. C'était le derby suédois et les Français de chez Vitality contre Mouse Esports. C'était deux très beaux matchs, en tout cas très serrés. Et je vais analyser en détail, par contre, le match des Français. Donc commençons tout de suite par le résultat des Suédois. Voilà, donc c'est remporté par Fnatic qui va affronter donc Astralis en demi-finale. Là pour le coup, voilà, ils ont gagné 2-1. Un match maîtrisé de bout en bout. Voilà, ils ont été au-dessus. On va pas se mentir, Fnatic montre un niveau de jeu vraiment excellent tout au long de cette semaine. Ils ont perdu sur Nuk. Contre NiP, c'est leur pic, c'est normal. Fnatic, je sais même pas si un jour ils ont mis les pieds sur Nuk, enfin, où ils ont été bons une fois dans leur vie sur cette carte. Genre, très honnêtement, ça fait très longtemps que cette équipe ne vaut pas grand chose sur Nuk. Donc, pour le coup, demain, ça va leur coûter très très cher, je pense, contre Astralis, les Veto. Mais voilà, l'équipe a été très bonne de manière générale. Et surtout, un Krims qui continue dans sa lancée, qui est vraiment mais monstrueux individuellement et qui porte son équipe. Voilà, c'est le bilan en tout cas de ce premier quart de finale qui est remporté par Fnatic. Et faut pas oublier que demain, ils affronteront Astralis en demi-finale devant leur foule. Voilà, c'est à DreamHack Malmo, donc en Suède. Et je pense que le public sera totalement acquis à leur cause et ça va peut-être jouer des tours à Astralis, mais ils ont un peu l'habitude, on va pas se mentir. On enchaîne avec Vitality Mouse, et là pour le coup j'en ai des choses à dire les gars, parce que vraiment c'est le grand sac à dos. Voilà, voilà, c'est les grosses épaules de Ziwo, c'est les grosses épaules de Shox. Voilà, les deux dieux de Counter-Strike qui ont porté cette équipe. Donc je suis vraiment, mais alors vraiment très content de voir le niveau de Shox affiché comme celui-ci. Mais pour le coup, je suis pas convaincu par le niveau général de l'équipe, l'homogénéité des tactiques, etc. On a eu très très chaud, c'était très serré de bout en bout, enfin du début jusqu'à la fin. On fait 2-1, il y a eu 16-14 sur la première carte, 16-12 sur la deuxième carte et 16-13 sur la dernière carte. Donc c'était serré systématiquement avec des exploits individuels partout pour Vitality et un match plus maîtrisé tactiquement du côté de Mouse Esports. Donc vraiment, on a deux écoles complètement différentes dans ce match là. Je sais pas quoi en penser, très honnêtement. Je vais vous montrer tous les matchs, tous les clutches qu'il y a eu lors de ce match. Et vous allez m'en dire, enfin je vais vous juste laisser savourer le niveau exceptionnel de Shox sur ce match qui est totalement monstrueux. Vraiment, on a Ziwo Kari d'habitude, on a Zinedine Ziwo, et là maintenant on a Shoxy Jésus de retour. Il a fait plus de one action dans ce match là que les deux dernières années chez G2. C'est absolument énorme, genre vraiment c'est totalement énorme. Je vous laisse apprécier ça, on va commenter ça tous ensemble et on va kiffer petit à petit. Donc voilà, là on est en situation de 2v4, comme vous pouvez le voir, on est en 2v4, bah, il y a 14-14, donc 14-14 en 2v4 les gars, c'est très très dur. Donc Ziwo va mourir, hein. Ziwo va mourir très très vite, il va essayer d'arracher un kill avant de mourir bien évidemment. Je vous laisse apprécier. Boum, il prend un kill, il meurt, et là, place au génie. Place au talent, place à l'exploit, place à Shox. Voilà, énormissime, énormissime. Derrière, on enchaîne les gars, on enchaîne. C'est pas fini, c'est vraiment, mais alors vraiment pas fini. Là on a Ziwo qui, comme je l'ai dit, hein, ces deux joueurs ont fait tout simplement le café toute la game. Voilà, donc là, il fait un kill, derrière il va enchaîner avec un deuxième. Wants to take the fight, but if you go down here, the round is pretty much over. There's still a minute left. You actually, you need to thin this out a little bit. They have two flashbangs left to try and peek Cyber as well. And now the smoke is up. Oh dear. Yeah, I was going to say they have no utility. I don't know how it got to this point so early on, but they've used it all somewhere. They've obviously gained absolutely nothing. In fact,
They've lost the entire map. Il a déjà fait un kill. Il y a le flanc qui va arriver d'Alex. Now, he should not be peeking here. He should just stay on the other side of those stairs. You have four players at the eight ball. La phase de jeu va être lancée. If you go down on va as bien Alex, mettre une you flash. Open up an escape route on va bien faire sauter la ligne de la WAP. Totalement rien. On fait un petit kill chanceux. But not as well as they would have liked. Hop, c'est facile. Et on va aller chercher le dernier. Petit exploit individuel. Deux Ivo encore pour clôturer ce round. Là, on est en 1v2. C'est le premier round armé sur Inferno et on a Shox qui est déjà en 1v2. Il a la bombe sur le dos, il reste 30 secondes et il y a encore un mec sur le VP. Il lance une molo. Comme vous pouvez le voir, connaît la formation du positionnement de Shox. Donc voilà, Frozen est très très avantagé sur ce clutch, surtout qu'en plus, boum, il prend un gros Pokeshox, il finit à 10 HP désormais, Frozen a totalement chié dans sa culotte. Voilà, je vous le dis, il s'est fait caca dessus, peur absolue, tétanisé, terrorisé à jouer agressivement. Voilà, il laisse la chance à Shox de poser la bombe, et là, voilà, le génie encore une fois, 1v2 sur le premier round armé, je répète, d'Inferno, très décisif. Là encore une fois, on est sur un énorme round, on est sur des nœuds, donc on est carrément sur une autre carte. Donc on a vu déjà des clutches sur Mirage, on a vu des clutches sur Inferno. Maintenant on est sur la troisième carte et on va voir des clutches sur D2. Donc on peut voir encore que là il y a 2-0, premier round armé, Shox a qu'une seule grenade. D'accord, ils ont rien, les deux sont tout blancs. Voilà, Pex en fait un, Shox en fait deux, Shox enchaîne sur le troisième. Voilà, merci, au revoir. 4K de Shox, on est sur le premier round armé, il y a très peu de stuff, ce round est crucial pour l'entame de game, c'est totalement monstrueux. On revient sur Mirage, c'était un petit clutch qui était totalement oublié. Donc regardez, on est en situation de 4v2 désormais là, avantagé pour Vitality bien sûr, et là ça se retrouve. On a Voxic qui vient dessus, Alex. Riven, on se retrouve. Donc Voxic fait déjà 2 kills, hop, il en fait 3, il se retrouve en 1v1 désormais. Décisif, 1-1. On est dans le money time là encore. Hein. Il y a 5-5 en termes de score. Si on perd ce round là, on est sur le side CT, c'est très compliqué économiquement. Si on perd ce round là, les gars, on n'a pas d'argent, on est en écho et on peut prendre l'eau. On peut prendre l'eau très très vite. Donc encore une fois, sauvé par notre ami Shoxy. Là, on va voir ce round là. C'est 15-13. Voilà, Shox qui fait l'entrée au Mac 10. Ouais, il va ouvrir son BP comme c'est Ziwo, pourquoi je parle de Shox. Bref, Ziwo qui fait double entrée, voilà, ça se retourne et il va enchaîner sur le dernier kill pour donner la victoire à Vitality. Voilà, 3K de Ziwo avec entrée de Shox, donc 4K à E2 encore une fois. Bon, le bilan grosso modo, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est regardez toutes ces one action, tous ces exploits individuels qui ont eu lieu sur 3 maps consécutives, ce qui prouve un petit peu la bonne forme individuelle bien évidemment de ces joueurs. Bien sûr que c'est des star players, bien sûr que c'est des joueurs facteur X qu'il faut bien évidemment rentabiliser, qu'il faut exploiter à leur plein potentiel pour dominer comme ça et semer la terreur comme c'est le cas, ils viennent de le faire aujourd'hui. Mais personnellement, j'aimerais qu'il y ait Apex qui step up, qu'il y ait RPK qui step up. Bon, il a été quand même très très bon RPK sur Inferno, mais sur le reste, c'est nul à chier. Et Apex, il a fait 3 cartes totalement catastrophiques. Il y aura les stats là quelque part avec le montage. C'est ignoble. Très honnêtement, voilà, j'attends d'eux mieux que ça. Voilà. Demain c'est Navi, demain c'est le jeu d'équipe. Je veux voir du très très lourd et donc c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé. Bien sûr que je suis très content, je suis très joyeux de voir ce niveau de jeu de là individuel affiché par Ziwo, par Shox. Voilà, avant il était vraiment tout seul Ziwo. Bah maintenant on voit qu'on a carrément deux joueurs qui peuvent totalement exploser et terroriser les adversaires. Ça fait très plaisir. Mais voilà, contre du Astralis, contre du Evil Genius, contre du Liquid, contre du top mondial, il faut être là, présent individuellement et tactiquement, et le teamplay, et la communication, et les réactions, tout, il faut être là. Tu peux pas prétendre à être top mondial, tu peux pas avoir des ambitions aussi hautes, si il n'y a pas tous ces éléments réunis. C'est ça qui fait que
tu passes de top 10 mondial à top je sais pas combien mondial. On l'a vu avec Mouz, ça joue à ça, donc ils ont pas de très grandes individualités. Bien sûr qu'ils ont des joueurs avec des potentiels lourds, mais sur l'ensemble des trois cartes, Mouz a été homogène. Voilà, il y a eu 5 joueurs, il y a eu des plans de jeu respectés, c'était un jeu tactique bien maîtrisé à 5, mais pas de facteur X, on n'a pas vu de folie, à part Rob sur Inferno qui a fait plus de 30 kills, mais sinon, c'était pas fou de chez fou. Et c'est ce que je voulais dire vraiment sur cette vidéo, en plus du petit récap, parce que bon, il y avait que deux cartes à résumer, je voulais vraiment parler dans le détail de ces petits points-là. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous partagez mon avis ou pas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes hypé, pas hypé, comment vous voyez le jeu, si vous avez vu le match, pas vu le match, et vous, comment vous interprétez tout ça. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Laissez des likes sur les vidéos, parce que c'est pas que sur celle-là qu'on veut des likes. Merci beaucoup, les 80 000 abonnés, on n'oublie pas, c'est l'objectif. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao les potes.